quelques années avant la guerre mondiale. Dans 5 ans, 10 ans maximum, on aura résolu le problème du cancer, on pourra remplacer un foie, une rate, un rein, un cœur. Et la dernière frontière, c'est ça. Chaque cellule d'un individu a dans son noyau toute l'information nécessaire à la constitution d'un individu entier. La dernière frontière, pourquoi ? J'aimerais savoir où elle est. Eh bien, vous touchez là à un des problèmes les plus fondamentaux de la vie. Waouh, la vache, le mal de crâne ! Quand vous éveillez au beau milieu d'un cachot miteux, qui pue l'humidité et le moisi, la première chose qui vous passe par la tête, c'est... J'ai encore trop picolé, sympa la gueule de bois. Vous reprenez vos esprits, et progressivement les images s'assemblent et reconstruisent un souvenir. Dans les films en tout cas. Parce que je me souviens juste être sortie du lab avec Lee, et puis rien putain. Pourquoi je parle dans ma tête d'ailleurs ? Je commence à faire comme cet idiot d'Oliver. Je commence à me plaindre, vous allez voir. Je ferai mieux de chercher comment me tailler d'ici. Je vais crever les autres CDG. Dans un endroit inconnu, une pauvre prisonnière comme moi pourrait céder à la panique. Je préfère analyser le terrain et établir un inventaire de ce que j'ai à disposition pour en sortir. Au fond de ma prison, une lumière aveuglante cache en son ombre une grille métallique fermée à double tour. Surprenant pour des dégènes. Ils sont si malins ? En tout cas, ils ne sont pas malins au point d'avoir pensé à me fouiller et à retirer le C4 de ma ceinture. Super astuce beauté les filles. J'en ai pas assez pour faire sauter la grille, mais le mur d'autre côté de la cellule semble peu épais. Je suis super fan des feux d'artifice, surtout quand je les tire à moins de 3 mètres de moi. Du C4, c'est que vous pouvez le déformer, le trimballer, l'écraser, il ne risque rien sans une explosion primaire ou un détonateur. Sans ça, c'est pas beaucoup plus qu'un morceau de pâte à modeler. Quand vous êtes aussi maligne et déterminée que moi, vous trouvez toujours une façon de construire ce qu'il vous faut avec les moyens du bord. Le câble électrique de la lumière, parfait pour un détonateur. Ne le branchez pas avant d'être à l'abri, évidemment. Je sais, je vous impressionne, c'est l'effet que je donne habituellement. Vous vous y ferez.